Bonjour, c'est Nadège Cézanna, coach de vie. Et je me demandais, vous inquiétez-vous parfois parce que vous voyez les copies qui s'amoncellent, parce que vous avez pris du retard dans votre travail? Si tel est le cas, ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Et je vois trois avantages à traiter de ce sujet. Le premier, c'est que si vous avez tendance à vous inquiéter, être stressé, angoissé parce que vous vous dites que vous êtes en retard, eh bien fatalement, une fois que vous aurez démêlé ça, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, eh bien vous vous sentirez détendu, relaxé, et bien sûr, ça va être beaucoup plus agréable de travailler, de corriger vos copies dans cet état-là. C'est le premier avantage que je vois. Le deuxième, c'est que fatalement, quand on est détendu, quand on est à l'aise, quand on se sent bien, eh bien, on se concentre aussi davantage et on est aussi plus productif. Donc, peut-être que ces copies, vous allez les corriger bien plus vite que vous ne pensiez. Et le troisième avantage que je vois, c'est que plutôt que de se dire, voilà, je suis en retard, c'est pas bien ce que je fais, je suis pas capable de tenir le rythme, etc., on peut au contraire se dire, ah, mais c'est plutôt pas mal ce que j'ai fait. Et du coup, on peut augmenter son estime de soi, se sentir mieux, se sentir plus confiante. Alors, imaginons la situation. Nous sommes peut-être lundi, peut-être jeudi, mais en tout cas, pour vendredi, vous avez des copies à rendre. Et peut-être vous dites-vous, en pensant à ces copies qui sont à rendre pour vendredi, je suis en retard. Et si c'est le cas, il y a fort à parier que quand vous vous dites je suis en retard, vous sentiez inquiète ou une émotion un petit peu similaire. Et si vous êtes comme la plupart de mes clients et moi-même, quand vous vous sentez inquiète, peut-être que vous avez un comportement qui ressemble à peu près à ça. C'est-à-dire, par exemple, manger des bonbons ou d'autres friandises. Deuxièmement, penser je suis en retard, comme si c'était un disque qui tournait en boucle dans votre tête. Et puis troisièmement, peut-être ne pas corriger les copies. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on est dans ce comportement, c'est-à-dire, voilà, manger des friandises, etc., ruminer la pensée et ne pas corriger les copies, il y a fort à parier que le résultat qu'on obtient de ce comportement, parce qu'on se disait je suis en retard et que ça nous rendait inquiète, il y a fort à parier qu'au final, l'impact que ça a dans notre vie, c'est qu'on est encore plus en retard par rapport à l'échéance de vendredi. Et ce que je trouve toujours très intéressant de souligner à mes clients, c'est que l'inquiétude, elle ne vient pas de la pile de copies, qu'il y en ait une centaine ou cinq. L'inquiétude ne vient pas non plus du contenu de ces copies, de l'exercice qui est à corriger, des exercices qui sont à corriger. L'inquiétude ne vient pas non plus de la date dans l'agenda, hein, que ce soit vendredi ou un autre jour, et quel que soit le temps, laps de temps qu'on a devant soi, devant nous, pour corriger ces copies. Non, l'inquiétude, elle vient uniquement de la façon dont on se parle par rapport à nous-mêmes, par rapport à cette date, par rapport à cette pile de copies. Et on le sait, parce qu'on sait très bien qu'à d'autres moments, on ne se dit probablement pas la même chose, on ne se sent probablement pas inquiète, on agit probablement très différemment, alors que finalement, on a le même style de copie et on a une échéance à peu près identique. On sait aussi qu'on a des collègues qui n'ont peut-être pas la même façon de penser que nous et qui sont peut-être plus productifs parce qu'ils ne se disent probablement pas je suis en retard. Alors, comme d'habitude, je vous propose trois étapes. La première, on vient de le faire, c'est remarquer. Remarquer que voilà, on a une pile de copies, on a une date et puis on a une phrase qui nous trotte dans la tête, c'est je suis en retard. C'est cette première étape. La deuxième, c'est questionner cette pensée. La première question qu'on pourrait se poser, c'est de définir, ça veut dire quoi en retard? Est-ce qu'effectivement on a dépassé la date, l'échéance qui était prévue, ou est-ce qu'au contraire, on est avant, bien avant ou un tout petit peu avant, et qu'à ce moment-là, on choisit vraiment de se dire, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. C'est la première chose. Questionner, ça veut dire quoi en retard? La deuxième question que je vous propose, c'est, ben alors, ok, mais si je me dis que je suis en retard, c'est-à-dire que je devrais en être où actuellement, selon moi? Est-ce que ça veut dire que j'aurais déjà rendu mes copies, que j'aurais déjà tout corrigé, que j'aurais effectué le corrigé, etc., que j'aurais même rendu mes copies? Ça veut dire quoi? Où devrais-je en être maintenant, selon moi? Et la troisième question, c'est une question un petit peu astucieuse, on va y réfléchir ensemble, c'est comment sait-on que je devrais être là où j'en suis maintenant?
C'est-à-dire que oui, on peut avoir ses attentes réalistes ou irréalistes par rapport à soi-même, les copies, la dalle, etc. Et puis on sait aussi qu'il y a la réalité. Donc il y a deux choses différentes. Ce qu'on s'attendait à faire, et puis la réalité, là où on en est aujourd'hui. Et donc cette question, c'est plus une question pour nous faire accepter la réalité qu'autre chose. Comment sait-on que je devrais être là où j'en suis maintenant? La réponse, c'est que aujourd'hui, j'en suis là où je suis. C'est-à-dire que oui, il me reste un certain nombre de copies à corriger. Oui, il me reste un certain nombre de jours avant de rendre ces copies, voire cette date est dépassée. Mais toujours est-il que je suis là où j'en suis aujourd'hui et que même si j'avais un autre plan en tête, eh bien, il se trouve que la réalité, c'est que j'en suis là aujourd'hui. Et que, inutile de lutter avec ça, c'est notre réalité. Alors, on a vu les trois étapes pour réfléchir un petit peu à ce qui nous passe par la tête. La première, c'est remarquer. Remarquer que j'ai cette pensée dans la tête, je suis en retard au sujet des copies que je dois corriger, que je veux corriger. La deuxième étape, c'est de questionner. Ça veut dire quoi? Où est-ce que je devrais en être? Et pourquoi est-ce que, bien sûr, je devrais en être là où j'en suis aujourd'hui? Et la troisième étape, c'est de, d'éventuellement, si ça vous dit, substituer à cette pensée, je suis en retard, une autre pensée qui, elle, vous permettra d'agir, de commencer, voire de finir, à corriger vos copies de façon bien plus productive. Alors voici trois petites pensées que je vous propose éventuellement de tester, d'adapter, d'adopter à la place de je suis en retard. La première, c'est tout simplement je suis exactement là où je dois être. C'est-à-dire qu'on arrête de lutter contre la réalité, on accepte au contraire cette réalité, et puis à partir de là, on se met au travail, plutôt que de ressasser en fait ce qui ne va pas. On fait en sorte que ça aille mieux. La deuxième petite pensée que je vous propose, c'est il me suffit de me concentrer sur la prochaine copie. C'est-à-dire qu'au lieu de voir tout une sorte de globalité un petit peu mélodramatique avec je suis en retard, ce qui reste assez flou finalement en termes de ben, qu'est-ce qu'il me reste à faire, là on se dit non, je me concentre sur la prochaine copie. On peut même encore plus simplifier si c'est quelque chose qui vous parle. Plutôt, on peut se dire il me suffit de me concentrer sur le prochain exercice. Il me suffit de me concentrer sur la prochaine réponse. Voilà, quel que soit ce qui vous arrange le mieux, ce qui vous aide le plus. Et la troisième petite pensée que je vous propose, c'est tout simplement, je veux me sentir soulagée et libre quand j'aurai fini. Parce que je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, ça fonctionne systématiquement. C'est-à-dire que quand je redoute de faire quelque chose, je repousse à plus tard en espérant que, voilà, par magie, les copies ou quoi que ce soit d'autre s'évaporent, s'évanouissent et que je n'ai plus à m'en occuper. Mais je sais aussi qu'une fois que j'aurai traversé cet inconfort qui consiste à faire les choses, ou du moins à me mettre à faire les choses, eh bien, une fois que j'aurai fini, à ce moment-là, je me sentirai tellement mieux. Je me sentirai libre, je me sentirai légère, je me sentirai fière. Et donc, je vous propose d'anticiper déjà, dès à présent, la façon dont vous allez vous sentir après, une fois que votre paquet de copies sera corrigé. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois que vous êtes capable d'aller chercher cette émotion que vous ressentirez après, et de l'amener éventuellement à maintenant, je vais me sentir soulagée et libre quand j'aurai fini. Bien, vous allez voir que corriger son paquet de copies maintenant, dans cet état-là, ça va être nettement plus agréable que de se dire oh, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Voilà, c'est ce que je voulais vous proposer et partager avec vous aujourd'hui. Alors, si vous voulez travailler davantage là-dessus, sur le sujet des pensées, des émotions et de notre comportement, de ce qu'on fait par rapport à ce qu'on pense et ce qu'on ressent, tout particulièrement dans le domaine de la nourriture et en particulier les compulsions alimentaires, sachez que je peux vous aider. Je propose une petite séance gratuite qui dure 1 heure où on peut voir quelles sont les 4 erreurs que l'on met en général en place pour éviter de manger trop. Et peut-être que vous faites, bien malgré vous bien entendu, l'une de ces 4 erreurs. Donc on peut voir ensemble ces 4 erreurs. Mais surtout, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'on peut travailler ensemble sur la bonne manière, celle qui a fait ses preuves, j'en suis l'exemple vivant, pour justement ne plus manger trop, mais sans que ce soit de la frustration, sans que ce soit, sans être malheureux, sans qu'on se sente privé. Au contraire, vraiment, que ça se passe nettement mieux. Et à la fin de cette séance, en fait, vous aurez un petit plan d'action que vous pourrez suivre pour justement recommencer encore et encore ce qu'on aura pratiqué ensemble, de telle sorte que vous pourrez non seulement vous sentir mieux sur le moment, ne pas manger trop, et du coup ne pas vous sentir ballonné, etc., juste après, mais surtout aussi peut-être être dans votre corps
de façon optimale, c'est-à-dire vous sentir bien dans votre basket, dans vos baskets, bien dans votre peau, avoir un poids optimal qui vous plaît. Si cela vous dit, eh bien, je vous invite à regarder sous cette vidéo et à vous inscrire. J'ai un objectif impossible, totalement impossible pour le mois de mars, c'est d'avoir 20, d'aider 20 personnes sur ce projet-là. Si vous souhaitez en faire partie, n'hésitez pas. Surtout, précipitez-vous parce que les places risquent de partir vite. Et donc, inscrivez-vous. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. C'était Nadège Cézanna, coach de vie. À bientôt. Bye!